Eh, c'est encore reparti avec ses cartes RAM, moi ça, c'est la plus d'imagination, il sait plus quoi faire, quoi. C'est toujours pareil. Eh, c'est bien, il est content. Et en plus, il a loupé, il a même pas foutu de la toucher, mais c'est pareil, quoi. Puis au moins, les Américains, ils innovent, ils savent faire des trucs, quoi. Non, mais c'est toujours pareil, il prend plus de risques. Les gars, ça vous dérange pas trop que je tourne une vidéo, non? Non, on disait que c'était un petit peu facile, un petit peu toujours pareil, quoi. Comment ça, c'est trop facile, les cartes, ça peut toujours la même chose? Bah ouais. Bah non, je fais juste la vidéo sur le Glock 44. Les Américains, ils innovent. Donc je teste pour voir, bah on me demande si c'est précis, j'ai envie de répondre à la question correctement. Y'en a un, il paraît, qui coupe une carte en faisant un ricochet. T'as vu un Américain qui coupe une carte en faisant un ricochet? Ouais. Et vous allez arrêter avec les Américains? Bah ils sont plus forts que toi, c'est tout, admets-le. Comment ça, ils sont plus forts? Bah oui. C'est quoi? Vas-y, va me chercher un gong, mets une carte, on va voir les Américains, je vais te faire voir. On est à Gajoubert ici, monsieur. Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il y avait un moment que j'en avais pas fait, j'avais envie d'en faire un, on va faire un petit trickshot. Comme vous venez de le voir, je viens de me faire un petit peu houspiller par deux collègues qui me parlent de ce que sont capables de faire les Américains et on va voir nous si c'est possible. Donc l'idée, bah, j'ai mis un gong, une carte à jouer, ça va être de taper sur le gong, de faire un ricochet et que le ricochet coupe la carte. Alors on va essayer de le faire plusieurs fois si on y arrive, parce que bah, une fois le soleil brille pour tout le monde, on peut avoir un petit peu de chance. Donc pour ce faire... En fait, quand ils sont venus m'interrompre, j'étais en train de tester le Glock 44. Je vous prépare une vidéo dessus. Donc je vais faire ça avec le Glock 44, voir si justement on peut faire quelque chose d'assez précis avec cette arme. La vidéo sur le Glock va arriver d'ici 10-15 jours, je pense. Je finis de la tester avec plusieurs types de munitions pour faire un bon rétex. Et je vous donnerai mon avis. Aujourd'hui, c'est détente, fun. Donc l'idée, c'est le Glock 44, un gong, un ricochet et couper la carte. Ce trickshot, je vais le dédier à mon pote Jarod et à son unité. Celui-là, les gars, il est pour vous. Donc à votre avis, c'est possible? Allez, c'est parti. On va couper une carte en deux en faisant ricocher sur un gong. On voit que c'est possible et on voit que même c'est, bah, on peut le répéter plusieurs fois. Il y a une certaine logique, une certaine régularité. Bon, j'espère que ce petit défi vous a plu. C'était vraiment très simple. Je reviens très vite la semaine prochaine avec d'autres vidéos. Il y a plein de tests d'armes qui vont arriver. Le Bren, le Glock 44, plein d'autres choses, plein d'autres tutos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à rejoindre la chaîne pour ceux qui veulent. Partagez un max, faites-nous connaître. Et je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, restez sûr, habile et adroit.